Concernant la CEDEAO, j'espère que la CEDEAO, ils sont avec les Occidents, les Occidentaux. Donc ce qui veut dire que nous, nous ne sommes pas d'accord avec la CEDEAO. Tous les peuples burkinabés ne sont pas d'accord avec la CEDEAO. Nous voulons que la CEDEAO s'abstienne et nous laisse vivre dignement avec nos vaillants militaires qui nous ont fait sortir de la boucherie, de la politique du Burkina, de Rochmar Christian Kabore avec ces fascistes qui nous ont mis les vieilles. Et les vieux, nos vieux, dans la fraîcheur, qui n'ont pas leur maison pour dormir. Aujourd'hui, le peuple burkinabé demande le soutien de la Russie pour l'accompagner dans cette lutte acharnée qui nous a été imposée. On a besoin de tous les collaborateurs. Si la Russie peut faire notre affaire, elle est la bienvenue. La sanction de Mali ne nous fait pas peur. Pourquoi ça? Parce que le Burkina, nous sommes au Burkina, nous sommes des Burkinabés dignes. Le Burkina et puis le Mali, c'est le Burkina et le Mali, c'est même seul homme. Donc avec la sanction, nous disons non et non. Les militaires ont pris le pouvoir pour régler certains choses au Burkina Faso. C'est ce qui nous intéresse. C'est ce qui nous intéresse. La CEDEAO, restez là-bas. J'ai eu à démissionner pour rejoindre le peuple en lutte. Et effectivement, la lutte a été engagée et finalement, nos officiers, surtout les jeunes officiers responsables, ont pris le pouvoir. Le temps nous a donné tous raison.